Bienvenue à Gigi Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chers cancers. On va regarder c'est quoi l'énergie générale qui va se présenter à nos cancers dans cette deuxième moitié du mois de mai, c'est-à-dire du 15 au 31 mai. S'il vous plaît, prendre en considération que ça va être une lecture générale. Donc, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prendre ce qui vous appartient, laissez aller le reste. Si toutefois la lecture ne résonne pas du tout avec vous, je vous invite à regarder la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants. Donc sur ce, mes chers cancers, on va regarder c'est quoi l'énergie générale qui s'en vient vers vous dans cette deuxième moitié du mois de mai. Alors ça c'est trop de cartes. L'énergie générale pour mon cher cancer dans cette deuxième partie du mois de mai. L'énergie générale de la lecture, c'est le 2 de denier. Vous êtes en train d'essayer de balancer votre vie, mes chers cancers. On le voit ici, là, dans un passé récent, vous avez mis un stop un peu à une situation parce que vous aviez l'impression d'être un peu trop généreux au niveau soit de votre temps, au niveau de vos émotions. Au niveau d'un certain aspect de votre vie, peut-être trop généreux financièrement aussi, comme c'est une carte qui représente le denier. Mais vous aviez l'impression, en quelque part, que toute cette générosité-là qui était donnée de votre part n'était pas réciproque. Ici, on voit là, dans le moment présent, c'est comme si que vous mettez fin à cette entente que vous aviez avec une personne. Une entente peut-être amoureuse, peut-être ici, ben comme c'est pas un 2 de coupe là, on va dire c'était une entente amoureuse avec les deux, ici c'est pas le 2 de coupe, donc comme c'est le lovers, c'est sûrement une relation que vous trouviez qui n'était pas assez équilibrée, puis là on dirait que vous vivez d'autres choses, d'autres horizons. Pour ça, on voit dans le futur proche, malgré que c'est une décision qui a été peut-être difficile à prendre pour vous, mes chers cancers, vous balancez les choses, vous balancez émotion et logique. Vous êtes quand même quelqu'un de très terre à terre ici avec l'énergie de la force et vous êtes capable de focusser sur ce qui vous rapportera quelque chose de bien. Toutefois, ce focus est interne. C'est à l'intérieur de vous que vous allez chercher cette force. Avec la reine de bâton à l'envers, cette force-là, vous ne la partagez pas avec l'extérieur, ni toute l'inspiration que vous avez pour essayer de démarrer comme une nouvelle phase de votre vie. Mais tout ça se passe à l'intérieur de vous. C'est un peu comme un genre d'introspection, d'essayer de balancer ce qui vous reste pour ne pas sombrer peut-être dans une déprime ou dans, comment je pourrais dire, t'sais, un sentiment de défaite. Pas la déprime, là, parce qu'ici, il n'y a pas de carte si sombre que ça, mais c'est plus un sentiment de défaite. OK? Donc, comme c'est dans une relation amoureuse, là, ici, qu'on dirait qu'il y a eu une déconnexion, puis que vous regardez peut-être pour aller ailleurs, on pourrait demander quel a été le blocage ici pour nos cancers dans cette relation. Quel a été le blocage? Ça va nous donner une idée sur la prochaine question à poser. Quel a été le blocage dans cette situation? Quel a été le blocage dans cette connexion entre nos cancers et leur personne?
quel a été le blocage principal entre notre cancer et sa personne? Quel a été le blocage principal? Wow. Il y avait un manque de passion. Oh. C'est ça qui fait que vous voulez, vous avez envie de quitter la relation, ben ou que vous mettez fin à quitter la relation. On le voit ici là, avec le 6 d'épée là, vous naviguez vers d'autres horizons. Et ici, on le voit là, vous êtes comme en pause par rapport à tout ce qui est relation, tout ce qui est amour. Vous focussez sur vous-même, vous ressourcez en quelque sorte. Puis, on va creuser ici au niveau de la personne. OK. Quelles sont... attends, la question, comment la poser? Quelles sont les attentes et les sentiments de la personne? Non, c'est trop. Quels sont les sentiments de cette personne envers nos cancers? Quels sont les sentiments de la personne avec qui connecte nos cancers envers nos cancers? Quels sont ses sentiments? On va prendre 6 cartes. On va essayer de comprendre un peu qu'est-ce que cette personne-là, elle vit intérieurement par rapport à notre cancer. Je pense que vous êtes dans la même phase. Vous et votre personne, je pense que ça va être une décision mutuelle. Tu sais, ici, peut-être, tu sais, une autre façon que j'aurais pu l'interpréter, c'est comme si vous êtes arrivé à une entente mutuelle. Au niveau ici de votre personne, on a le High Priestess, la prêtresse à l'endroit et la reine de coupe à l'envers. C'est comme si malgré ce sentiment d'affinité, ce sentiment de familiarité qu'il y a entre vous deux, au niveau des sentiments, il y a quelque chose qui s'est éteint. Puis tout comme vous, votre personne, elle a besoin d'un peu de recul, elle a besoin de se ressourcer parce que elle a comme l'impression que cette relation-là, lui amenait pas tout ce qu'elle avait besoin. Donc elle a pris un moment, un recul, et non pas de réflexion, mais elle va suivre un peu votre rythme à vous, et aussi pour se retirer et regarder vers d'autres horizons. Les autres horizons qu'il va regarder, il va le regarder d'un nouvel œil. Il ou elle va le regarder d'un nouvel œil parce que toutefois, malgré le fait que ça n'a pas fonctionné ici, c'est quelqu'un qui considérait que vous aviez tout. Les atouts pour faire en sorte que cette relation, elle aille, elle devienne quelque chose de positif. Malheureusement, comme vous n'êtes pas heureux, bien, cette personne-là n'est pas heureux. Puis sa réflexion est de... Pour lui, c'est avec l'as d'épée, c'est comme si, ben, il réfléchit à aller vers peut-être d'autres horizons, tout comme vous. Ici, c'est comme, je pourrais dire l'as, comme, pas une épiphanie, mais c'est comme une inspiration, une nouvelle idée. Ça va être quoi pour moi la suite, genre. Donc, ici, c'est comme on n'est pas heureux, on va regarder c'est quoi un peu la suite des choses. Wow. OK. Donc, votre personne, elle est aussi triste que vous. Est-ce qu'il y a place à réconciliation ici entre nos cancers, ben, est-ce qu'il y a place à travailler sur la relation? Est-ce que ici, 3 cartes, est-ce qu'il y a place à travailler sur cette connexion entre notre cancer et cette personne? Est-ce qu'il y a place à travailler sur la connexion pour améliorer les choses? Est-ce qu'il y a place à travailler sur cette connexion pour améliorer les choses? 3 cartes, s'il vous plaît.
il y a place à améliorer les choses. Ici, avec l'ASDP, il y a place à la conversation, si possible. Mais toutefois, ici, vous êtes tous les deux sur vos gardes. Vous avez tous les deux un peu vos valeurs, vos idées, vos propres intérêts que vous voulez protéger. Mais s'il y a quelque part, quelqu'un est prêt à faire des compromis, il y a place à un nouveau départ, mes chers cancers. Il y aurait place à un nouveau départ. D'accord? C'est quand même... Ça donne une bonne direction. Donc ici, on va prendre un peu un message des oracles pour nous aider, pour juste guider la lecture, guider nos chers cancers dans la suite des choses. Donc, petit message des oracles pour nos cancers, s'il vous plaît, pour les guider dans la suite des choses. Un petit message, une carte est suffisante. Ok. Ayez le cœur léger. Finding out things coming to light. T'sais, discutez, recherchez les choses, faites sortir les choses à la lumière. Adaptez-vous. Adaptez-vous au changement. Essayez de guérir. T'sais, ça peut être appliqué aussi à cette relation. T'sais, s'adapter au changement. Essayez de comprendre les choses. Essayez de guérir la situation. Donc, il y a cette possibilité-là, mes chers cancers, dans votre situation. Alors, mes chers cancers, j'espère que cette lecture, elle a bien résonné avec vous. Si oui, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne pour des lectures mensuelles. Sur ce, je voulais prendre aussi le temps de remercier tous les cancers qui se sont inscrits à ma chaîne. C'est grandement apprécié. C'est un petit projet que j'ai démarré il n'y a pas trop longtemps. Donc, ça fait toujours plaisir de voir qu'on a une clientèle qui semble être satisfaite. Donc, merci, merci de m'encourager. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.